Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, dans le 5e arrondissement, dans l'agence De Ferla, et nous sommes chez Laetitia et Dan. Salut Laetitia. Salut, merci en tous les cas d'avoir pensé à nous pour cette interview, on est vraiment touchés. Eh bien, ravi de te rencontrer. Mmh. Avec ton mari, tu as créé cette agence il y a maintenant quelques années. Oui. Alors, raconte-nous justement l'histoire de l'agence, comment vous avez décidé de la créer, etc. Ben, avec grand plaisir. En fait, à la base, pour nous, c'était vraiment une aventure de couple, à la base. On travaillait dans un réseau immobilier. On avait des vraies envies en fait, d'idées, d'innovation. On avait vraiment envie de faire bouger le métier, de le dépoussiérer à notre image, ce qui nous représentait. Donc du coup, en 2012, on a ouvert notre première agence. 8 ans après, on est à la tête de 6 agences. Donc notre particularité à nous, c'est de faire évoluer nos meilleurs collaborateurs en interne pour développer le chiffre d'affaires, pour développer notre groupe de cette manière-là. Et puis, notre politique, en fin de compte, c'est de proposer des promotions et des services haut de gamme pour tout type de biens. Donc, ça va de la chambre de service à l'hôtel particulier. Le but chez nous, un client, qu'il ait un petit ou un gros patrimoine, il est traité exactement de la même manière. Même s'il y a de la concurrence, on a réussi tout simplement à se différencier des autres et du coup, à gagner vraiment des parts de marché. Et on s'en rend compte hein, vraiment d'année en année. Alors, ce n'est pas pour paraître prétentieuse, mais ce sont vraiment des chiffres. Vraiment, on augmente notre chiffre d'affaires tous les ans. Donc, ça veut dire vraiment que c'est au travers de la satisfaction de nos clients et c'est au travers de cette belle réussite qu'on continue d'évoluer de la même manière. Est-ce que tu as su, avec ton mari, mettre en place justement une volonté d'acquérir justement davantage de satisfaction client d'une part, mais aussi de les exploiter? Comment on fait aujourd'hui quand on s'appelle De Ferla pour exploiter la satisfaction client? Pour nous, c'est très simple. En fin de compte, déjà, ça part par les services qu'on va proposer, mais surtout de travailler en exclusivité pour nous. C'est ce qu'on prône à 100% dans nos agences. Et c'est de montrer en fin de compte aux clients que leur intérêt, c'est de travailler de cette manière-là, car on va travailler de manière qualitative, sans précipitation. Et du coup, ça nous permet de travailler dans des bonnes conditions. Et quand ils comprennent ça, ils comprennent que leur intérêt, c'est de travailler de cette manière-là. Est-ce qu'au sein de l'agence, il y a une particularité quant à la communication? Quelle est la place d'ailleurs de la communication au sein de votre agence? Nous, ce qu'on aime, c'est une image tendance, haut de gamme, qualitatif, jeune. On veut vraiment, en fin de compte, par notre identité, avoir un peu des réseaux, un peu des agences haut de gamme, mais tout en ayant notre propre identité au travers des différentes qualités des uns et des autres. Alors, merci Laetitia. Ce que je te propose justement, quand on a parlé communication, on a parlé des outils, on va peut-être aussi s'intéresser à la relation que vous avez avec Vitrine Media et oui, l'agence Cornelius aussi. Et puis, on va demander à Dan ce qu'il en pense. Avec grand D'accord plaisir. Merci Laetitia. Merci en tout cas. Encore. Merci beaucoup. Alors Dan, raconte-nous un petit peu justement comment s'est passée cette collaboration. Qu'est-ce qui a déclenché en fait le contact? Dès le premier rapport, en fait, tout s'est bien passé. On a eu la chance de rencontrer un commercial exceptionnel de la société Vitrine Media qui est venu, qui nous a donné plein de conseils sur comment installer les produits qu'il vendait, notamment les affiches vitrines en LED. Comment les disposer, parce que nous, on voulait vraiment faire quelque chose de très épuré pour mettre en valeur, pour jouer sur la transparence de nos agences. On s'est tout de suite très bien entendu, les produits nous ont plu. La première agence qu'on a créée en 2012, Avenue du Maine, on a pu installer l'ensemble des vitrines avec des affiches de vitrines médias, exactement comme ici. Donc on a l'impression qu'elles flottent et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une vraie transparence qui permet aux gens et de regarder nos annonces, mais également d'avoir un regard sur ce qui se passe dans l'agence et on voulait vraiment jouer là-dessus. Ce côté transparence, justement, ça c'est important aujourd'hui d'avoir des clients à l'extérieur qui se rendent compte de ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. C'est indispensable parce que c'est un rapport de confiance qu'on veut élaborer dès le premier regard avec nos clients. Donc ça passe effectivement par de la séduction avec des agences qui vont être entretenues, mais ça passe aussi par le fait qu'ils puissent découvrir l'intérieur de nos boutiques, voir qui se cache derrière un bureau et justement, on ne se cache pas, on est là pour accueillir les clients et c'est vrai que ça donne vraiment envie. C'est un support qui pour nous est indispensable. On a d'ailleurs la majorité de nos ventes se font grâce à des clients qui rentrent directement à l'agence. Est-ce que justement aujourd'hui, tu recommanderais l'utilisation du produit Vitrine Media à d'autres confrères, mais sans faire de justement donner envie à tout le monde de faire comme toi? Pour nous, c'est une évidence. Donc à partir du moment où pour nous c'est une évidence, je peux que dire du bien. Et effectivement, si demain je vais ne pas être De Ferla et installer une boutique, j'irai tout de suite sur ce qu'il y a de mieux et clairement pour nous c'est les meilleurs produits aujourd'hui.
justement la relation que vous entretenez avec l'agence Cornelius, aujourd'hui c'est devenu un partenaire, c'est quelqu'un… Oui, c'est un partenaire, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit pour nos installations futures ou pour les produits qu'ils proposent, parce qu'ils proposent pas mal de produits innovants, on a mis une plaque lumineuse également sur nos dernières agences, on a également notre logo lumineux à l'intérieur des agences pour vraiment mettre en valeur la marque. Et pour nous, c'est devenu notre partenaire exclusif pour nos installations. Donc on sait d'ores et déjà que sur les futures boutiques, le premier réflexe qu'on va avoir, on va appeler Vitrine Média pour l'installation de nos vitrines. En plus, il y a des nouveaux produits qui nous plaisent, comme les écrans LED. Et on appellera Cornelius pour tout ce qui est enseigne et vraiment mettre en valeur la marque. En tout cas, merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui, d'avoir partagé un petit peu toute l'expertise que vous mettez en avant, toute votre expérience aussi. On vous souhaite évidemment une belle continuité, merci un bel beaucoup. Été. Et puis on se dit à très bientôt pour la suite. On viendra vous voir plaisir. Quand vous aurez justement vos nouvelles structures et puis voir un petit peu si tout ça évolue. Bah, vous venez quand vous voulez. Vous êtes merci. Les bienvenus. C'est gentil, merci.